vous laisse apprécier. Bon, les gars, je suis en compagnie du président, président Francis Saint-Michel. Donc, on commence par les enfants. On les prend à partir de 7 ans. Il y a quand même des exceptions. Il y a un enfant qui a 4 ans et demi. Le chef d'Indo, donc, style de combat de Bruce Lee. Il a créé ça dans les années 60. Lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, il a croisé les arts martiaux occidentaux. À ce moment-là, il a pris quelques techniques en boxe anglaise. Jeune femme. Ouais, lorsque Bruce Lee nous a proposé ce sport, il est venu au monde entier, c'était en 1967 exactement. Et un sport qui s'est étendu, un sport très populaire. Voilà, des gestuels et une avance pédagogique auprès des jeunes. Alors pour les enfants, clairement les frappes qui sont portées, c'est surtout axé dans l'esprit de coordination. Par contre, pour les adultes, je dirais, c'est un peu plus dur. Voilà, des places aux adultes et aux représentants du club d'hommes de sous-bois. Président. Donc là, il commence par des attaques directes, attaques et coups, pieds et poings. Ça peut aller jusqu'au sol. Et pour l'instant, on ne fera voir que le bout, parce que pour le sol, c'est bien. Et là, pour le sol, pour les caresser dans la rue, ça peut finir mal. Donc, on dit vite à l'autre. Sport de combat, sport d'attaque, prescrire, sport de défense. Sport de défense. Ça, c'est pratiqué par les femmes. Il y a une spécialité sur les femmes qui est un peu plus celle que je pense que les filles. Là, pour l'instant, elles vont travailler avec les femmes. Quels sont vos meilleurs représentants, vos champions? Alors, il n'y a pas de compétition au Jeet-Kune-Do. Par contre, sur le tatami, vous avez le spécialiste français au Jeet-Kune-Do, David Delannoy, qui est le seul instructeur nommé en France par Daniel Sanko, qui a été élève du Parc Bonnet et ami de tous les autres. Un nombre de sports d'arts martiaux et qui permet de canaliser les énergies et de faire avec des règles et sous surveillance et sur un tapis et bien ce qui est grave de faire dans la rue. Dans la rue, si, pour se défendre, mais sur le tatami, c'est vrai qu'on essaie de canaliser les choses. Voilà, il rentre en place, situation d'attaque et de défense de rue. Vous venez de voir la jeune qui a été attaquée par Alex et défendue par David. Maintenant, Gérard a agressé David. Donc ce style de combat, il n'y a pas besoin d'être gros, grand ou fort. L'important c'est de s'entraîner et d'avoir une bonne condition physique. Et d'apprendre, c'est comme on a inventé, d'apprendre des gestes, les bons placements au sol, les bons appuis, les bons gestes et les bons points de contact. Exactement. Voilà comment neutraliser l'adversaire.
connaissez ses gestes, si vous connaissez ses prises. Et si un jour vous êtes attaqué dans la rue, vous allez surprendre l'adversaire. Vous avez dit très fort. Oui, voilà. Merci, Président, d'être venu nous voir.